Depuis quand es-tu au courant? Ok. George, tu es en train de rompre avec moi? En fait, je n'utiliserai pas ce terme. Je suis désolée, Charles. Je ne pourrai pas le publier si votre roman ne s'améliore pas. Eh bien, c'est le cancer de la thyroïde. Mon père l'avait et maintenant je l'ai. Veux-tu boire de l'eau? Alors, comment va George? J'espère que vous ne vous êtes plus disputé. Maman, nous pouvons éviter de parler de George. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Alors, c'est toi. C'est toi, l'ingrate, qui m'as laissé mourir. Je suis vraiment... Désolée. Elle est revenue. Elle est revenue pour s'excuser. Elle a même proposé de payer pour mon traitement, mais j'étais en colère, je lui ai dit de partir. Attends. Elle a proposé de payer ton traitement? Toi, tu étais en colère. Et tu lui as demandé de partir. Non mais sérieux, mec. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'arrêtes pas de jouer les orgueilleux, les grandes épaules. Quelqu'un qui veut te demander, toi, tu ne t'en fais pas. Je ne veux pas voir tes messages. Tu, là, tu me demandes 2000. Je sais comment tu fais souvent. Tu vas écrire. Je me souviens, après tu vas écrire, s'il te plaît. Est-ce que tu as 2000? Ne me dis pas cette bêtise. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle t'a laissé son contact en premier lieu? Non, ça veut dire qu'elle n'est pas comme ça. Elle t'a juste offert quelque chose et tu dois l'accepter. Si quelqu'un t'offre, tu acceptes. Qu'est-ce que je dis? Si quelqu'un t'offre, tu... accepte. Dis-moi, quand tu sors avec ta copine, hein, vous n'achetez rien? Vous n'achetez pas la boisson, un peu de nourriture, un peu de viande, rien du tout? Quand est-ce que je t'ai dit que j'ai une copine? Attends, mais quand est-ce que je t'ai dit que j'avais une copine?